Donc avant de critiquer quelqu'un là, il faut être mieux que la personne. Quand tu n'es pas mieux que quelqu'un, tu ne critiques pas la personne. Écoutez, l'église catholique est la première église, je dis bien au monde, que Jésus-Christ a utilisée pour annoncer son évangile. Est-ce que vous savez ça? 350 ans, vers 400 ans après Jésus-Christ, il y a eu un roi romain du nom de Constantin. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Lorsque Constantin est devenu chrétien, il a rendu le christianisme officiel. Parce qu'après Jésus-Christ, tous ceux qui parlaient de Jésus, on les tuait. Maintenant, lorsque les catholiques ont commencé à prier la Vierge Marie, parmi eux, il y a eu ceux qu'on appelle les protestants. Ils ont protesté. Ils sont sortis. C'est parmi les protestants qu'il y a eu les pentecôtistes. Avec toutes les dénominations que vous connaissez aujourd'hui. Donc un enfant n'insulte pas sa mère. Vous ne verrez jamais quelqu'un insulter un prêtre parce qu'ils ont eu une éducation. Et c'est ça qui nous manque dans l'église. Vous n'allez jamais voir un musulman insulter un imam sur internet. Mais les évangéliques le font. Donc, il ne faut pas critiquer ce qui est mieux que toi. Il ne faut pas critiquer ce que tu n'as pas dépassé. C'est facile de critiquer, mais c'est très difficile de faire mieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est grâce à l'église catholique que l'église chrétienne est la plus nombreuse au monde. Si on enlève les catholiques là, ils vont nous avaler. Ils vont nous manger. Est-ce que vous savez ça? On est chrétien, on est chrétien. Il n'y a pas chrétien catholique, il n'y a pas chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Ça là, mettez ça dans votre tête. Le catholique, c'est ton frère. Même le musulman, c'est ton frère. Même si vous n'avez pas la même, parce que Ismaël et Isaac étaient frères. Ils n'ont pas la même destinée, mais ils étaient frères. Évitez l'esprit de polémique. Évitez la division. Quand je vois des pasteurs se mettre à insulter, mais est-ce que tu es mieux qu'eux? Tu n'es pas mieux qu'eux. On n'est pas. Prêche l'évangile au lieu d'insulter les gens. Parle de la Bible. La Bible dit quoi? Gagne les âmes. Envoie-les au ciel. Écoutez, moi je suis en train de réussir, parce que j'ai eu une éducation catholique, j'ai fait le petit séminaire, on m'a réglé, on m'a brossé.